L'élargissement de la majorité à 33 est représenté par une progression du Parti communiste et le gain d'un siège des forces qui travaillent autour de Nassima Dindar. Donc c'est une amélioration qui profite à deux groupes sur trois. C'est donc très positif. Et ce qui est très important, c'est que ça représente aujourd'hui 70% de la population. Et ça donne de la légitimité. Pour mémoire, je vous rappelle que le président de la région travaille avec 45% de l'opinion. Donc ça montre quand même que la majorité de Mme Dindar est très légitime. Ça dénote aussi la loyauté du Parti communiste. Malgré toutes les critiques, toutes les contre-propositions, nous sommes restés fidèles à un principe qui est celui qu'on ne peut pas diriger la Réunion 50 contre 50. Il faut aller chercher des majorités larges pour que les actions qui soient menées soient reconnues, portées et que leur mise en application soit effective. Il y a aussi le fait que Mme Dindar a très largement annoncé qu'elle plaçait son action dans la préparation d'un programme à long terme qui serait proposé aux formations politiques qui vont œuvrer pour l'élection présidentielle. Et sans doute, comme nous l'avons fait dans le passé, aux grandes formations, y compris à l'UMP. Ça veut dire que nous sommes dans une logique de rassembler des Réunionnais pour faire les choses qu'il faut pour les Réunionnais, sans rejeter les autres et en travaillant avec eux là où ils ont de la responsabilité. Là où ils ont de la responsabilité, aujourd'hui c'est le pouvoir à Paris, le Premier ministre, le gouvernement, et à la région, M. Robert. Et je pense que ce qui a été dit, qui est pondéré, qui est mesuré, est de nature à rassembler l'ensemble des Réunionnais, malgré des divergences politiques légitimes. Nous ne sommes pas dans une situation économique et sociale qui nous permette le petit jeu de la guéguerre politicienne. Il y a eu un choix des Réunionnais, M. Robert dirige la région, Mme Dindar dirige le Conseil Général. Il est de l'intérêt des Réunionnais que chacun reste dans ses compétences, mais que dans ses compétences, il y ait des pistes qui soient lancées entre les assemblées pour faire quelque chose pour la Réunion. C'est ça qui importe. Gagner une élection, la perdre, ce n'est pas essentiel. Ce qui compte, c'est que la Réunion avance.